gars, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des îles multinationales. Pas de mots pour les initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins, banquiers, simples canards. Pas de nom et pas de photo. Leurs sociétés sont étrangères. Plus compliqué est le réseau qui les relie à l'affaire. Il était grand, il était beau. Il sentait bon son Lugano. Bon gestionnaire. Là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leurs matins. Loge P2 dans ses arcades, un peu massif cardinaux, pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafiosi. Le fameux compte à numéro passe de Zurich à Lausanne, le balalon et le saut. Par le troisième couteau. Il était chaud, il était gros, portait des fringues de chez Smalto. Mon mercenaire. Les politiques drôles d'oiseaux prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Il fait beau dans les onimates, dans les sondages du Figaro. Il fait très beau chez la misère et dans les œuvres humanitaires. Il fait beau sur les droits de l'homme. Il fait beau sur l'intégration, le plein emploi, l'immigration. On se les gèle dans le pognon. Dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères, entre Mad Max et la Dépierre. Pas de nom et pas de photo. Leurs sociétés sont étrangères. Leurs sociétés sont étrangères. Plus compliqué est l'horizon qui les relie. Alors, entre frères. Ils ne font rien, ils se situent. Ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots. La réussite dans les crocs. Ils sont là à tous les niveaux. C'est le règne des troisièmes couteaux. Yeah! Vu au Tivoli, Bernard Lavillier. Boxeur. Pas comme moi.